Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une... Comment déjà? Mais c'est une femme! De Dieu, j'y crois pas, j'atterris chez des nains. T'es sûr que c'est une femme, ça? Oh, toi, le nabo, ça va, quoi. Tu vas fermer ton clapet maintenant, je te dis que ça. Je suis sûr qu'elle vient de Wallonia. Il est 18h et elle se réveille à peine. Non, mais c'est quoi cet endroit, je te jure? C'est la commission en haute voltige ici ou quoi? Bon, dites, ça va aller, hein? On est des nains, mais pas de n'importe quoi, hein? Allez, bonne, celle-là. Alors, c'est toi, le chef. C'est-à-dire que... Je te le dis comme je le pense, hein. Si tu veux garder ton job, t'as intérêt à collaborer, hein. En faire marcher tout ce bordel ici, moi je vous le dis. On a connu des princesses plus sympathiques, hein. Même des italiennes. Oui, oui, y a quelqu'un? Bien bonjour mes couilles. Regardez un petit peu ce que je vous amène. Des bonnes oranges bien juteuses. Qui c'est qu'en veut? Excellent, les oranges. Elles sont toujours bien bon dans la sangria. Ouais, file-moi une orange, fieu. Ce sera toujours mieux que de la bouffe de nain. Bien joué, Didier. Bon, voilà Renders. Bon, vous connaissez l'histoire. Blanche-Neige s'endort et seul un beau prince charmant pourra la faire sortir de son coma. C'est vraiment nécessaire de la réveiller? Bon, en plus, on a tout essayé. Mais qui que payer un gigolo, appeler Prince le chanteur, c'est zippin, personne qui veut. Oh, en tout cas, ce n'est pas moi qui m'y collerai. Et c'est ainsi que Blanche-Neige resta pour l'éternité dans cet état. Mais qu'advint-il de nos sept nains? Ils négocièrent beaucoup d'années, eurent beaucoup de petits plans, eh bien non. Grincheux se mangea lui-même alors qu'il était coincé dans un éboulement, il en est mort. Prof perdit la raison, après avoir dû faire équipe à la mine avec Grincheux, il en est mort. Hatchoum rencontra Monseigneur Van Gelu alors qu'il courait en slip dans les bois, il en est mort. Dormeur est mort de chagrin, il en est mort. Timide, on ne sait pas trop ce qu'il en advint, mais il en est mort. Simplet n'a jamais su se faire à manger tout seul, il en est mort. Le seul qui survécut fut Joyeux, car tout le monde le sait. L'alcool, ça conserve.